Hello tout le monde, on se retrouve enfin pour le tout premier épisode de Pokémon Épée et Bouclier. Franchement, c'est le jeu que j'attendais le plus cette année. En plus, il y a eu plein de fuites sur ce jeu, je me suis complètement déconnectée des réseaux pour éviter d'être spoil au maximum. Mais du coup, là, j'ai vraiment très très hâte de commencer l'aventure et découvrir la région de Galar. Allez, c'est parti! Très cher public, bienvenue à cette célébration du merveilleux monde des Pokémon. Ah, Galar, Galar, Galar la belle, Galar la verdoyante, Galar aux villes éclatantes. Galar où tout le monde vit dans le respect, Galar ce havre de paix. Mais je vous le demande, cher public, que serait notre belle région sans les Pokémon? Oh, je le connaissais pas lui. Alors si Galar est un tel paradis, c'est parce qu'humains et Pokémon vivent en harmonie. Ces créatures sont partout autour de nous, dans la mer, les ailes, les rues de nos villes. Oh, il est spécial cet éléphant quand même. Alors certains dédient leur vie aux soins et à l'élevage des Pokémon afin de combattre à leur côté. Ces héros du quotidien, mes chers amis, ce sont les dresseurs. Oh, on me signale dans l'oreillette que j'ai oublié de me présenter. Je suis chez Rose, pour vous servir. Il est désormais temps d'accueillir le plus grand dresseur de Galar. J'ai nommé Tarak, le maître. Applaudissez-le bien fort. Putain, il est beau quand même graphiquement. J'aime beaucoup. Tarak, match amical ou pas, je m'en fiche, tu vas pas rester invaincu longtemps. Je me donne toujours à fond Roy, et ce n'est pas aujourd'hui que je vais perdre un match. Dracaufeu, Dynamax! C'est vrai que c'est la nouveauté de ce Pokémon, les Dynamax. Il est stylé le Dracaufeu Dynamax quand même. J'adore. Putain, ça a bien évolué Pokémon hein, quand même depuis le temps. Oh, il est vraiment beau là. Yo! Oh, t'as un nouveau téléphone, bon ami, la classe! Et tu peux mater le match de mon frangin avec, trop bien! Tu sais que pour l'encourager, il faut prendre la pose Dracaufeu, hein? Te voilà, mon petit Nabil. Alors, c'est le grand jour? Ah, bonjour, madame. Ouais, c'est pour ça que j'ai couru pour venir chercher vos amis. Tant pis pour le match, on peut le regarder une autre fois. On enregistre tous les combats du frangin à la maison, de toute façon. Allez, bon ami, viens. Et oublie pas ton sac, on va peut-être recevoir des cadeaux. Bonne journée, madame. Ah ouais, pour une fois qu'il y a un salon aussi, comme d'habitude il n'y a que la mer j'imagine. Trop trop bien, il est vraiment super beau. Hein. Alors, ouvrez le menu principal avec X. D'accord. Ouais, c'est bon. De toute façon, c'est pareil pour tous les Pokémon. Hein. Oh, franchement, il est super beau. La chambre, elle est géniale. Alors. Oh, mais tu es absolument adorable avec ce sac que de souvenirs. Phil, ce pauvre Nabil doit s'impatienter. Et souviens-toi, ne va surtout pas dans la forêt. Je sens qu'on va aller dans la forêt. Alors, allez rejoindre Nabil dehors. Ah, c'est bien ça qu'il y a un suivi d'objectif comme ça avec la map pendant les temps de chargement, c'est vraiment pas mal.
Ah, des moumoutons partout, j'adore. Purée, c'est quoi ce sac? T'avais pas plus grand? Remarque, c'est pas une mauvaise idée. Comme ça, même si mon frangin te refile un Pokémon énorme, tu seras prête. Tiens, un moumouton. Qu'est-ce que tu fais là, mon gros? Attaque roulade. Oh, elle t'a rien fait à la barrière. Pas besoin de lui donner des coups de boule. J'espère que t'as pas l'intention de la traverser. Il y a des Pokémon dangereux qui rôdent dans la forêt de Sleepwood. Moumou? C'est trop mignon les moumoutons. Allez, on fait la course jusqu'à chez moi. Le dernier arrivé est un escargot. Tu ressembles déjà pas mal avec ton sac à dos là. T'as emporté toutes tes affaires ou quoi? Alors, la technologie, c'est un truc de dingue. Maintenant, il suffit de marcher pour faire des échanges ou des combats, c'est fou. Ah ouais? Ah, on peut pas passer. Hé, Borami, tu vas voir Nabil, c'est ça? T'as oublié que c'était ton voisin? Sa maison est juste derrière moi. Avec un match Pokémon. Trop, trop bien. Franchement, il est trop, trop beau, j'adore. Non, c'est moi. Te voilà, Nabil. Oh, Borami est là aussi. Entre, fais comme chez toi. Eh ben, il est où le frangin? Il n'est pas encore là. La patience n'est vraiment pas ton fort, mon fils. Mais il doit être arrivé à la gare de Brasswick. Ah ouais, faut vite qu'on aille le chercher alors. Vu que c'est un sous-doué de l'orientation, il serait capable de se perdre en chemin. Oui, ce n'est peut-être pas une mauvaise idée. Borami, t'as jamais rencontré mon frangin. Tu viens avec moi? Ça me ferait trop plaisir que vous fassiez connaissance. Je t'attends sur la route. Putain, mais il se barre toujours sans moi, lui. Alors, sur la route, j'imagine que les moumoutons, ils sont dégagés. Ouais. Allez, bien, on fonce. Fais juste gaffe, Borami. Il y a souvent des Pokémon tapis dans les hautes herbes qui déboulent sans prévenir. Moi, ça va, j'ai mon petit moumouton, je peux me défendre. Mais toi, t'as pas encore de Pokémon, donc t'approches pas trop des hautes herbes. De toute façon, sur la route 1, on sera toujours l'éternel dresseur débutant. Route 1. Viens, on va accueillir mon frère. Suffit d'aller tout droit pour arriver à la gare. Ok. Les OST, ils m'ont l'air bien sympas encore aussi. Alors, Brasswick. Putain, les noms de villes, ça fait très Angleterre, hein. Chers habitants de Brasswick, votre maître Tarak est de retour sur ses terres. Je vais continuer de me battre et de gagner pour vous, public adoré. Vive le maître invaincu, Dracofeu Power! Dis Tarak, tu pourrais faire une petite pause Dracofeu après? Bien sûr, je suis toujours là pour mes fans. Continuez d'élever vos Pokémon avec amour et de bien les entraîner. Et sachez que je suis toujours disponible pour un combat, donc n'hésitez pas à venir me défier. On est super fans de toi Tarak, on rêve de tous te affronter. Mais Dracofeu est carrément trop fort pour nous. C'est vrai que Dracofeu est super fort, mais n'importe quel Pokémon peut devenir aussi puissant que lui avec un peu d'effort. En vrai, les combats Pokémon, c'est pas sorcier, c'est juste une question de volonté. C'est pour ça que j'adore affronter des dresseurs qui en veulent. Je n'ai qu'un rêve, faire de Galar une réserve de super dresseurs. Qu'on soit les meilleurs au monde, Galar number one. Draco. Frangin! Ah, Nabil! Excusez-moi un instant, mon plus grand fan est dans la place. T'as encore grandi, t'as au moins gagné 3 cm, facile. Arrête de me charrier, frangin, je serai plus grand que toi un jour. Je vois que t'es venu accompagner, laisse-moi deviner. C'est toi, Borami, je parie. Mon frère me parle tout le temps de toi. On me surnomme Tarak, la vaincue. Je suis le maître de Galar, et j'adore les Dracofeux. Enchanté. Hé, ça vous dit qu'on fasse la course jusqu'à la maison?
Ah là là, ce Nabil, il a toujours autant l'esprit de compétition à ce que je vois. Nabil, il me fait beaucoup penser à Tilly dans Pokémon Lune et Soleil. Alors, il a horreur de perdre, mon petit frère. Ce qu'il lui faut, c'est un rival qui le challenge un peu. Évidemment, ce sera moi le rival. Sur ce, au revoir tout le monde, et n'oubliez pas, Dracaufeu Power! C'est vrai qu'il est stylé Dracaufeu, hein. Surtout la façon Dynamax là. Je sais pas comment ça marche encore les Dynamax, et c'est un truc que j'ai vraiment hâte de découvrir dans cette version. Alors Frangin, il est où notre cadeau? Tu m'avais promis qu'on aurait un Pokémon chacun, moi et Borami. T'en fais pas, tu vas l'avoir ton cadeau. Un maître tient toujours ses promesses. Matez un peu ça les Minus, vous allez en prendre plein les yeux. Alors, admirez un peu le choix. De toute façon, moi je sais déjà qui je vais prendre. Le Pokémon Plante, Whistempo. Le Pokémon Feu, Flambino. Et le Pokémon Eau, Larméléon. Ah, c'est trop mignon, j'adore. Franchement, c'est une bonne chose qu'ils ont rajouté les cinématiques dans Pokémon, hein. Ça rajoute quelque chose quand même. Ok, revenez ici. Alors, vous voulez lequel? Bah moi, le choix, de toute façon, il est toujours évident. Je prends toujours le Pokémon aquatique. Donc du coup, ce sera Larméléon. Alors vas-y, choisis en premier. Moi, j'ai déjà mon Moumouton. Allez, viens là, toi. Larméléon est de type eau. Il peut s'adapter à tout ce qui l'entoure. Tu veux Larméléon, le Pokémon de type eau? Bah oui. Mon choix, il était fait depuis bien longtemps. Un surnom. Mais d'habitude, c'est vrai que je donne des surnoms, mais là, comme je connais pas les Pokémon, je vais pas en donner. Larméléon a rejoint votre équipe. Tu pars sur Larméléon? Très bon choix. À mon tour, Flambino, je te choisis. Ah, il prend la faiblesse. Alors, je te préviens, j'ai l'intention de devenir le prochain maître. Donc on va s'entraîner de ouf tous les deux, je compte sur toi. S'il prend le Pokémon de type feu et que son frère aussi a un Dracaufeu, normalement avec l'Arméléon, j'ai un petit avantage. Et moi aussi j'ai un Moumouton dans mon équipe en plus, je les adore. Alors c'est exactement pour ça que je vous ai offert ce Pokémon à Borami et à toi. Entraînez-vous ensemble et devenez assez fort pour me vaincre. Quant à toi, t'inquiète pas, c'est moi qui vais t'adopter. Évidemment. Dracaufeu t'apprendra le métier, tu vas voir, il est aussi puissant qu'il est gentil. Les enfants, c'est l'heure de dîner, il y a aussi à manger pour vos petits Pokémon. Du Moumouton grillé. Le lendemain. Alors, comment s'est passée votre première soirée avec vos nouveaux partenaires? C'est bon? Vous avez fait connaissance? Carrément, Larméléon est déjà super fan de Borami, ils sont inséparables. Ouais. Ah cool, vous avez déjà compris ce qui est le plus important pour un dresseur. Et son Pokémon, c'est la confiance. À force de combattre côte à côte, vous tisserez des liens aussi forts que ceux qui nous unissent. Dracaufeu et moi. Et quand ce sera le cas, vous serez enfin digne d'affronter le maître invaincu. Ouais, enfin, ce qui va se passer, c'est que c'est moi qui vais t'affronter, il n'y a aucun doute. Mais en attendant, Borami fera une rivale idéale. Je te préviens, je vais tout donner pour gagner. Mais c'est parce que tu es un Pokémon que ça y est, t'es dresseuse. Il y a un entraînement à suivre avant, faut se préparer au combat Pokémon, tout ça. Alors, exactement, et je peux vous dire qu'il n'y a rien de mieux que la pratique. Je vous propose donc de faire un petit combat amical tous les deux. On va voir comment vous vous débrouillez. Alors, tu es prête à goûter au premier combat Pokémon de ta vie? Le premier, oui.
Croyez fort en votre partenaire et prenez bien plus soin de lui, c'est la base. Mieux vous le connaîtrez, plus ce sera facile de choisir les bonnes capacités et vos combats seront plus gratifiants. Alors tout le monde, go! J'ai vu tous les combats de mon frangin à la télé, j'ai lu tous ses bouquins sur les Pokémon. Je suis quasiment un expert en fait, je vais forcément gagner. Allez, la musique de combat. Ah oui, il a un deux Pokémon, lui. Alors, qu'est-ce que t'as comme attaque, toi? À l'attaque, fais gaffe, j'ai deux Pokémon. Alors, du coup... Ah, la surface, elle est super sympa, hein. J'aime bien. Alors, attaquer, qu'est-ce qu'on a? Écrase face au rugissement. Ah, ça va, il est que niveau 3, son mouton. Bon, il faut à peu près 3-4 coups. Un coup critique là. Allez, KO. C'est dommage que j'ai pas encore d'attaque haut par contre pour mettre KO son flambino. Ah, c'est comme ça les points d'XP. Ok. Puis, ah bah, qu'est-ce que j'étais en train de dire. Nickel. C'est pas fini, j'ai encore un Pokémon en réserve. Ah, ça devient trop facile maintenant, Pokémon. Hein. Allez, pistolet à eau. J'ai cru que j'allais le S. Peut-être pas quand même. Quoi, t'as déjà compris les affinités de type? Oh, il est trop mignon, Flambino. Alors, pistolet à eau. C'est super efficace. Ça va, haut la main le combat quand même. A mon avis, si l'interface est comme ça, c'est parce que tous les Pokémon ils vont gagner de l'expérience. Hein. Un peu comme le multi-ex. J'ai quand même perdu avec deux Pokémon. Et ben vous êtes balèze l'armée long et toi. Bon heureusement, j'allais pas perdre face à toi. J'hallucine, t'es super balèze en fait. Normal que mon frangin ait décidé de te donner un Pokémon à toi aussi. C'était un superbe combat, vous avez tout donné, ça se voit. J'avoue que j'ai failli me joindre à vous en envoyant Dracaufeu tellement ça avait l'air bien. Pas de ma gueule, toi. Bref, après l'effort, le réconfort. Venez ici que je soigne vos Pokémon. En tout cas, mon ami, tu as du talent. Tu seras une rivale parfaite pour Nabil. Frangin, je veux vraiment, vraiment me dépasser. Y a pas moyen que tu me laisses aller combattre dans les arènes? Ça c'est bien mon petit frère, tu ne perds vraiment pas le nord. Ça te tente le défi des arènes? C'est tout de même le plus grand événement sportif de tout Galar, c'est un peu tôt non? Avant de vous lancer, je pense que vous voudriez en apprendre un peu plus sur les Pokémon. Et pour ça, il vous faut un Pokédex. C'est l'outil indispensable du dresseur, car il permet de répertorier toutes les infos sur les Pokémon rencontrés. Qui dit dresseur passionné, dit Pokédex bien rempli, ne l'oubliez pas. T'as entendu ça, mon ami? Il nous faut un Pokédex. Allons au laboratoire Pokémon pour en récupérer un. Bonne idée, je vais prévenir le professeur de votre arrivée. Ah, c'est la professeure d'ailleurs. C'est rare qu'il y ait des femmes en professeur. Compléter le Pokédex, ce sera un jeu d'enfant pour un futur maître comme moi. J'écris mon histoire, page après page. N'oublie pas d'aller dire à ta mère que tu pars, sinon elle va se faire du souci. Tous les Pokémon, ça commence comme ça, de toute façon. Blam. Ça, c'est mon mouton. Regarde, c'est ouvert. Il est passé où le mouton qui était devant? La dernière fois qu'on l'a vu, il chargeait la barrière. Oh mais, tu crois qu'il est passé? Humain ou Pokémon, personne n'a le droit d'entrer. Tu te souviens de quand la petite fille de la professeure y est allée? Apparemment, c'était pas la joie dans la forêt. Et je te raconte pas le savon qu'il s'est pris en revenant. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Bon bah le chercher évidemment. Complètement d'accord, on peut pas juste l'abandonner et faire genre on n'a rien vu. Bon c'est décidé, on va le sauver. Moi je vais prévenir ma maman quand même avant. Bon bah faut savoir hein, c'est pas par là la forêt. Viens, on va chercher le moumouton.
Bon, bah du coup, je vais m'arrêter là pour le premier épisode de ce Let's Play. Franchement, il est magnifique, il a l'air d'être vraiment prometteur, les graphismes, les combats, les Pokémon, j'ai vraiment hâte d'en découvrir plus. Du coup, bah comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et moi, je vous dis à très vite pour l'épisode numéro 2. Bye bye!